Pour rejoindre la Corse depuis le continent avec son auto, seul moyen de transport disponible, le ferry. L'autorisation de départ vient de nous être donnée, le port de Nice s'éloigne. Grâce au NGV, aujourd'hui supprimé, seulement 3 heures nous suffisaient pour voir apparaître l'îlot de la Giraglia, point extrême du nord de l'île. Grande ville d'affaires de la Corse et préfecture de la Haute-Corse depuis 1975, Bastia a su préserver au mieux son charme méditerranéen. En sillonnant les ruelles de la vieille ville, on aboutit obligatoirement sur la petite crique de l'ancienne marine de Cardot, laquelle abrite le port de pêche et de plaisance. Les vieux immeubles de Terravecchi s'ordonnent en amphithéâtre. L'église Saint-Jean-Baptiste, avec sa haute façade classique calée entre deux fines tours, domine et veille solennellement sur le vieux port. On peut également voir à proximité le balai des Carpheries. Les granites rouges de l'île de Pietra ont donné son nom à l'île Rousse. Son port fut fondé par Paoli en 1758 pour concurrencer le trafic de Calvi et carrer ainsi l'activité génoise dans l'île. Avec sa façade rousse, l'église paroissiale située sur la place Paoli possède un intérieur d'une simplicité avec sa coupole nue au-dessus du transept. À l'ouest du Cap Corse se trouve le petit village de Saint-Curie. De nombreux casiers en bois sont entreposés sur les quais. Y aurait-il des langoustes ici? À l'ouest du Cap Corse, cette dernière est très renommée. De nombreux restaurants la proposent à leur menu. On peut les choisir vivantes dans leur vivier. Le port offre par son exposition une atmosphère délicieuse. Une douce lumière teinte ses maisonnettes. Il a également belle allure avec ses bateaux de pêche colorés. Saint-Florent, capitale du Nebbio, mais aussi et surtout station balnéaire, très orientée vers les activités nautiques. Son petit port de plaisance, créé en 1971, a contribué grandement à l'essor de la cité. Il est fort agréable de flâner à travers ses ruelles tortueuses bordées de vieilles maisons. Sur ses placettes, les terrasses des cafés et restaurants se côtoient harmonieusement. Bâtie par les Génois sur un promontoire à calcaire, la citadelle domine la ville et le port. Elle fut construite en 1439. Le donjon circulaire est un remarquable exemple de l'architecture militaire génoise. C'était aussi la résidence du gouverneur du Nebbio. Accroché à une colline verdoyante, Oleta étage paisiblement ses hautes maisons blanches, ocres et roses. Se promener dans ces étroites ruelles nous laisse entrevoir la Corse profonde. L'église paroissiale Saint-André, construite au XVIIIe siècle, est visible de très loin grâce à ses façades couleur ocre. Une vue plaisante se déploie sur le golfe de Saint-Florent. On aperçoit en contrebas le couvent Saint-François. À demi ruiné, ce dernier s'élève sur un site agréable. Il a conservé son beau clocher. Parlant de clocher, celui de San Miguel de Murat est très typique avec ses 3 étages. Mieux encore, à San Pedro di Tuanda ont été construites 2 églises unis en façade à un seul clocher à 4 étages. Littéralement accroché à une falaise en surplomb de la mer, Nonza est une ancienne place forte médiévale. Par ses ruelles entourées de pittoresques maisons au toit de Loz, on peut accéder à sa tour de défense de schiste vert. Sur sa plage, les galets de schiste amiantés sont les débris usés par le mouvement des vagues de l'ancienne usine d'amiante de Canaries. Peints en blanc et assemblés harmonieusement, ils sont les tags écologistes de la région. Dès que l'on s'éloigne des vallées, on découvre accroché à flanc de montagne
de nombreux villages pittoresques et accueillants. Au beau milieu de la Kazinka, et après avoir roulé sur des routes sinueuses et étroites, nous avons été emboutés par le charme du petit village de Lorento di Kazinka. Bâti sur une terrasse dominée par le Monte San Angelo, l'eau ne manque jamais, pour preuve ces fontaines installées à l'entrée du village. Des cochons élevés en liberté nous laissent supposer la qualité de la charcuterie locale. Il y avait un ancien qui... Les cochons de la vallée n'étaient pas un signe prémonitoire, mais bien une réalité. Nous avions devant nous le point de rencontre des fins gourmets. Sur invitation de la maîtresse des lieux, nous visitons les caves d'affinage et de séchage. Il fait combien de degrés là dans la cave? Là, il fait en ce moment 18. Je vais monter la cave à jambon. Les jambons, nous avons commencé la vente maintenant. Donc les premiers, ce lieu du mois d'octobre. Ah, vous les avez tués au mois d'octobre? Oui. Donc ça, maintenant, on les vend. Parce qu'ils commencent à être bien affinés. Et vous faites les marchés là ou... Oh non. Et que du bois de châtaignier. Oui. Un petit restaurant, installé dans un séchoir en châtaigne, posait une dégustation de tous ses produits. Comment ne pas succomber à la tentation ? Constitué par un tapis végétal extrêmement dense, le maquis a de tout temps servi d'abri à de nombreux bandits et résistants. Il s'étend sur d'immenses surfaces. Cette couverture végétale, éminemment combustible, favorise la propagation des incendies. Arômes puissants et profusion des couleurs en font le charme. Dispersées dans la nature, les roches tendres et dures ont été façonnées par le temps. Les œuvres d'art, naturellement sculptées par le vent et la pluie depuis des millénaires, semblent figées pour l'éternité. À quoi ressembleront-elles dans quelques siècles ? Désert de collines caillouteuses, semées d'un maquis odorant, les agriates offrent un paysage désolé et saisissant. C'était autrefois le grenier à blé de la Corse. Avec ses 230 km à voie unique et métrique, le chemin de fer de la Corse constitue à plus d'un titre la liaison ferroviaire la plus pittoresque d'Europe. La vidéo s'achève. À quoi servent les trous que l'on peut observer sur les façades des maisons et même des monuments tels que cette église ?